Non, non, non. Hocham des savoirs. Oui, oui, oui. Hocham des moyens. Une trentaine de personnes ont manifesté de la place du 4 septembre jusqu'au Pharo. Beaucoup d'enseignants et quelques parents d'élèves inquiets. Anne est maman d'une élève de 6e. Pour les enseignants, ça n'a pas changé grand-chose à leur qualité de travail. S'ils sont là aujourd'hui, c'est justement pour l'avenir des élèves. Donc je trouve que c'est super important en tant que parent d'être là. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et qui plus est, les études scientifiques sur... Le fait de mettre les groupes de manière homogène, mauvais d'un côté et bon d'un autre, montre totalement le contraire. Donc on se demande vraiment où ils sont allés chercher ça. Ces groupes de niveau sont également rejetés par les enseignants qui y voient une méthode discriminante. C'est le cas de Magali. Les élèves faibles, on le sait par les études scientifiques, gagnent à être dans des groupes hétérogènes. Le ministère nous demande de mettre en œuvre cette réforme en nous donnant strictement aucun moyen en plus. Donc du coup, nous sommes obligés de supprimer des choses qui étaient déjà en place, qui fonctionnent. Sur l'aspect organisation, vous avez décidé de faire ça sur la pause de midi. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Qu'on essaye des mesures un peu alternatives, un mouvement un peu alternatif, afin de pouvoir durer aussi, de pouvoir faire ça plus longtemps, sans pénaliser nos élèves et sans nous pénaliser financièrement. Les enseignants ont prévu de se mobiliser à nouveau à la pause méridienne dès la semaine prochaine.